Et bonjour à tous et moi on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Unity pour l'épisode 7. Allez, c'est parti, on va faire la mission Le Café Théâtre. Explorer le Café Théâtre. Difficulté 1, bon, je pense que ça va aller là. On va finir ça vite. Faire quelque chose pour vous? Quel est cet endroit? Il est relié au sanctuaire. C'est moins prestigieux que l'entrée de la Sainte Chapelle, mais l'immeuble nous appartient. Il faisait partie de notre réseau d'information. Je dois dire qu'il a connu des jours meilleurs. Comment puis-je aider? Je resterai à l'affût des occasions qui se présenteront. Vous pouvez aussi vous adresser au régisseur afin de restaurer le bâtiment. C'est que je suis loin d'être riche en ce moment. L'argent que rapportera le café vous reviendra, et vous en ferez ce que vous voudrez. L'argent sera déposé dans le coffre du bureau, et plus vous restaurerez l'endroit... Plus l'affaire me rapportera. En effet. Vous découvrirez aussi qu'étendre nos activités dans d'autres quartiers rapportera des dividendes. Merci. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Récupérez votre revenu du café théâtre, ok. Eh mais en fait, on est revenu à notre point de départ, là. Ou non? Ouais, je sais pas. Ah, mes finances vont mieux. Ouais, si, c'est chez nous là, c'est au QG. Ok. Ok, alors... Où que c'est? C'est pas en bas? Ah si. Allez, c'est parti. Merde, j'ai pas vu ce que c'était comme mission. J'ai vu que c'était facile. Je vois pas trop. Bon, c'est pas grave. Oh, c'est bon. Salut Arnaud. Allez, on va là. Alors, on va se relier à la mission. Alors, séquence 5, mémoire 0, compte rendu du au conseil. Vous avez triste mine? Cela fait des mois que je m'efforce de contrôler la confrérie, l'assemblée et le roi. Ensemble, ils ont tout au plus l'intelligence politique d'un conseil de villageois ignorants. Je pense que cela excuse mon manque de prestance. N'y voyez aucun manque de respect, mentor, seulement de l'inquiétude. Ne pleure pas pour moi, Arnaud. Pleure pour la France. Mais oublions la politique. J'espère que tu as de meilleures nouvelles. Qu'en est-il des meurtriers de Delasserre? Le roi des mendiants est mort. Il avait ceci sur lui.
repose en paix. Tu devrais le garder. Il ne servira à personne s'il moisit au fond d'une crypte. Sois-en digne. Merci. J'essaierai. Et ta mission? Le roi des mendiants et Siver n'étaient que les pions d'une partie bien plus vaste. Quelqu'un les a envoyés tuer Monsieur de la Serre. Les Templiers ne peuvent rien faire simplement. Que sais-tu au sujet de ce mystérieux joueur d'échecs? Ma seule piste est l'objet qui a servi à tuer Monsieur de la Serre. Une épingle, fabriquée par un orfèvre du nom de Germain. Mais j'ignore encore quel rôle il joue. Ta voie est donc toute tracée. Trouve cet orfèvre. Découvre quel est son rôle. Ah voilà, je vais mettre le micro, ça va mieux. Attendez, je règle le micro quand même. Voilà, voilà. Maintenant, je pense qu'il faut repartir. Bonjour Arnaud. Ah, attends, j'ai 4 potions. 5. 5. 0. 0. Interagir. Ouais. Voilà. Nickel. Ok. Ça c'est bon. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, mon Twitter. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. Ça fera très plaisir. Ça me fera très plaisir plutôt. Voilà. Alors. Alors. Bon, c'est un peu long, ça qui est chiant au niveau des chargements, c'est un peu long. C'est vrai que ça pourrait être mieux et plus rapidement, mais bon. Voilà, comme ça on remonte plus facilement. Après. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, ici. Voilà, c'est là. Alors, séquence 5, moment 1, l'orfèvre. Bon, c'est parti. Eh bien, voilà qui est pour le moins suspect. Oh là, je le sens pas encore ça, ce coup-là. Hey, si tu t'ennuies, je peux te découper les boyaux. Ça te donnera de quoi t'occuper. Putain. Oh, il y en a un haut là, c'est celui-là. Tu es ici chez moi. On peut même pas passer dans ce terrain là. Truc de fou. Là,
Hop là. Mais non. Oh oh. On court, on court, on court, on court, on court, on court, on court. Ton compte est bon. Oh. Mais non. Ne présumez pas de vos forces. Je vous imagine bien la vague que j'ai dit. On peut pas dire à même avant. Mais de là, vous pouvez jouer. Bon, je pense que c'est bon. Je pense pas qu'ils vont venir dans la maison. Que ça se calme. Vous êtes en affaire avec le sage de Jade. Ils sont encore là. Un espion, quelque chose. Un voleur. Je pense pas que là, il y en a un peu beaucoup. Hein. On va attendre qu'ils se remettent tous à leur place, là. Voilà, ça on l'a tué. Pas plus chier. Là, on va aller là. Ok, il est là. Voilà. Faut faire comme ça. Discretos. Non. Oh. Il me repère de là-bas. Ouais, je viens là-haut après. Dès qu'il aura plus dans mon viseur, c'est bon. Donc voilà. Hop, on va faire. On va contourner. Là. Ça, ils sont partout, mais autrement. Oh, mais tout ce qu'il y a. Qu'est-ce que c'est?
qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est lui. Ok. Voilà, déjà. Avec ça déjà le gros c'est eux qui fait le plus mal. Putain, on était sûr. Ce bon bon temps haut. Ah, il y a une cloche. Faut qu'il fasse sonner la cloche parce qu'autrement je suis mort. Putain. Non, là il y a pas de porte. Il a un fusil. La cloche est là. Putain, il me saoule. Putain, maintenant il regarde, avant il regardait pas. What? Ah, il est là. Oh, il m'a mis mal. Si, bah si, à mon avis, ils peuvent monter. La cloche est là. Lui il est là. Lui il est là.
va attendre encore. Non, saoule. Allez vite, on remonte. Oh, que les tarasses. Hop, merci de l'ouverture. Hop là. Ok. Allez! Mais putain, ça! Oh, oh, il bug, il me saoule. Hein. Oh! Il m'a mis mal là. Putain, mais il m'a utilisé toutes les potions. Putain, il me reste plus beaucoup de potions là. Là maintenant en fait. On va attendre qu'ils sont plus en alerte parce qu'autrement c'est mort. Mais non, mais ça bug en même temps, oh, putain. Donc il va être là. Après, c'est lui qui va venir.
là. Hop là. Allez. On fouille. Merci. Oh là là là. Lui, on l'a fouillé. On se met là-dedans. Et là, il sait pas. Et ouais. Bye bye. On va attendre qu'il repart. Comme ça, au moins, ils peuvent plus appeler de personnes. Alors bah c'est bon. Donc voilà. Hop, alors on va voir ce qu'ils ont. C'est pareil, ouais, j'ai pas le truc, je peux pas la crocheter. Après, faudrait que je prenne le truc pour la crocheter les trucs. Il est dévoué à sa tâche, hein. Hop, on fouille. Allez, bientôt fini, je pense. Ah ok, on est juste derrière. Ok, bon, bah on y va. Monsieur Germain, l'orfèvre. Dieu merci. Ils me retiennent depuis des mois. Je vous en prie, faites-moi sortir d'ici. D'abord, j'aimerais que vous me parliez de ceci. Cela attendra. Je vous dirai tout lorsque nous serons loin. Mais nous devons partir. Avant le retour des gardes. Bien, allons-y. Non! Ils surveillent l'entrée, c'est certain. Nous allons devoir descendre et traverser. Alors suivez-moi, et gardez le silence. Putain, je passe encore plus compliqué, oui. Thank you.
Hop là, on va. Oui. On va regarder les corps quand même. Hein. Attendez ici. Yes, un remède. C'est bon, et je suis là. Putain, elle est... déjà 34 la vidéo. C'est... franchement, c'est assez dur. Puis il va monter. Voilà. Fais pas chier. J'espère pas que les autres ont entendu. Essayer de faire un saut. Non, pas ça. Non. Ok, bah, du coup maintenant. Je crois que j'ai fait une connerie. Oh, il m'a fait mal. Oh, il m'a fait mal encore. Non. Mais non. Évanoui dans l'air, bon sang. Mieux vaut presser le pas. Faut-il continuer ou vous cherchez de l'aide? Oh là, j'ai trop de la chance. Bon alors. Et si, je peux me cacher. Alors, qu'est-ce qu'ils foutent? Ils attendent. Je les ai bien eu là. Waouh. On va y arriver. Ah là là, c'était magnifique. Bon, j'ai fouillé hein, du coup. Hein. Il y a ce coup de remède en plus. Là, je pense que c'est ici.
Ah merde. Allez, on les... Hop. Allez, on les tue. Eh, voilà. Oh, vite, faut se cacher. Ils vont venir, eux. Je sais pas s'ils peuvent venir. Suivez-moi. C'est bon. Très bien. Attends, avant je vais fouiller quand même. Je sais que ça peut être chance, ça se trouve, à fouiller, mais bon, faut mieux fouiller. Remède au complet, voilà. Le moins je sais que j'ai tous les remèdes, c'est bon. Ça voilà, c'est rien. Là, là, là. Par ici. Voilà. Oui. Gardez un œil sur les bois. Ils y postent souvent des sentinelles. Êtes-vous un prisonnier si important ? Alors, on fout bien. Où sont-ils les boots ? En haut. Ok, je sais comment faire. Oh. N'approchons pas trop. Avez-vous besoin d'aide ? Allez, Oust, du balai ! Voilà. Donc, allez. Maintenant, on va monter. Allez, hop, hop. Hop là. Et ouais, tu peux rien faire contre moi. Changement de plan. Ah merde.
Merci, au revoir. Vite, comment on va faire? Oh merde. Putain. Bon bah on va les affronter alors hein. Je pense que c'est fait exprès. Oh pas mal, on est déjà à 45 minutes de vidéo. Oh putain. Ça va être encore long ça, je le sens. Je pense qu'auprès des parties hein, parce que... Bordel. Bon bah... Parce qu'en fait il est là. Ouais, il est là. Aidez-moi, de grâce. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Ouais, allez. C'est une petite fumigène. Aidez-moi. À l'aide, au secours. Dépêchez-vous. À l'aide, au secours. Germain, changement de plan. Oh. Oh, lui, il est chaud, on dirait. Bien encerclé, pas qu'il bouge. Voilà, allez, on mitraille le bouton. Voilà, casse ses couilles lui, au revoir. Allons, laissons parler la raison. Relâchez l'orfèvre. Recule. Allez, hop. Seigneur Dieu. Qu'ai-je fait? Ce qu'il pas fallait grave. Faire. Venez, il faut partir. En fait, c'est tout con. En fait, je me complique la vie, mais un truc de fou. Voilà. Allez, voilà. Merci, mon ami. Vous m'avez rendu un fier service aujourd'hui. Peut-être pouvez-vous me rendre l'appareil. Oui, bien sûr. Puis-je? J'ai fabriqué la première il y a des années, une commande spéciale, d'un dénommé Lafrenière. Cela sortait de l'ordinaire. Je reconnais que ma curiosité a pris le dessus. Récemment, je me suis plongé dans le passé de Lafrenière, et alors, j'ai découvert... des choses incroyables. C'est un Templier. C'est cela que vous avez découvert? Oui, je le crois. J'ignore ce que je dois en conclure. Mais j'ai manqué de prudence et Lafrenière a eu vent de mes manigances. Depuis, il me séquestre dans ma boutique. Je fabrique ce qu'il veut, surtout des armes. Où puis-je le trouver? Eh bien, Lafrenière est un homme très difficile à débusquer. Il y a peu... je l'ai entendu parler de protéger les marchandises à la halle au blé. Tout cela semblait de mauvais augure. Si je peux me permettre, pourquoi vous intéressez-vous à lui? Il a tué quelqu'un qui m'était très cher. Je veux savoir pourquoi. Je vois. Je compatis à votre peine. Ils vont revenir vous chercher. Vous devriez rester discret. Oui, c'est une bonne idée. Et voilà, enfin fini. Mémoire terminée. Continuez du coup. Et voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, bah ça je vous dis, bon on va pas se répéter. Bon j'espère que ça vous a plu en tout cas. Bon, allez je vous laisse pour une prochaine vidéo. Salut.